Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Linda, je bouge beaucoup. Donc, quand vous voyez, je suis dans une ville, si vous ne venez pas, sachez que peut-être dans 2 heures de temps, il serait parti. Bonjour la reine Bongué. Bon. Ok. Téléchargez bien vos témoignages. En attendant, vous n'allez pas perdre trop de temps. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons, vous avez des choses que vous savez faire. Ok? Vous avez des produits que vous vendez. Et vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous êtes déjà dit fatigué, maintes fois. Vous devez créer une page. Et votre problème, c'est que... Non, il faut que tu ailles... Va d'abord, tu reviendras ici après. Votre problème, c'est que... Vous pensez toujours, comme on priait à l'église là. Seigneur, je veux l'argent. Vous pensez que toujours par une certaine magie, on est en 2022. Tu n'as pas compris que l'argent ne va pas tomber du ciel. On met les outils là-dedans pour vous aider. On a mis Facebook. On a mis YouTube. Maintenant, depuis 3-4 ans, voilà TikTok qui est en train de chauffer. Vous allez rester. Et attendre que chaque tendance passe. Vous voulez savoir le nombre de personnes qui s'enrichissent sur Facebook tous les jours? Maintenant, il ne te suffit pas d'avoir les followers. Sinon, tu vas te retrouver en train de vendre le jansan. Je m'adresse aux intellectuels qui sont là-dehors. C'est-à-dire, tu es belle, mais tu es intelligente. Tu n'es pas belle et bête. Parce que quand vous voyez les pages des femmes là qui viennent seulement montrer comment elles sont belles, montrer un peu leur sein, à la fin, tout ce qu'elle va vendre, ça ne peut être que l'huile. À part l'huile, elle va vendre quoi? Oh, je pense qu'il est temps que l'Afrique se démarque. Pas seulement par les femmes qui sont en train de vendre le jansan ou bien les injections pour le jansan ou bien les pilules pour le jansan ou bien 24 heures tu es devenue blanche. Il est temps qu'on aille au-delà de là. Voilà. Vous devez comprendre que les réseaux sociaux sont inévitables pour vous. Écrivez inévitable ici en commentaire, s'il vous plaît. Can I have some water? Thanks. Peu importe dans quoi tu fais. Si tu comptes que ton argent se multiplie, tu vas trouver un moyen pour que ton produit ou tes produits, et je préfère tes produits, soient sur les réseaux sociaux.
Je ne sais pas pourquoi vous résistez tellement cette partie-là. Je ne sais pas. Combien d'entre vous m'avez trouvé sur les réseaux sociaux? Donc, il y a même pas un petit quelque chose qui a changé dans ta vie depuis que tu m'écoutes. Non, non, non. I want the cold water. Thank you. Look in the fridge, in the freezer. Plus tard tu vas commencer, plus ça va te prendre de temps. Parce que tu as des compétences que tu dois maîtriser pour t'en sortir sur les réseaux sociaux. Même si vous dites que vous êtes les personnes les plus spirituelles. J'ai un ami qui passe mon temps à me dire, oh, je suis en train de méditer. Je lui dis, va sur les réseaux sociaux, fais ta page. Tu as tellement de sagesse. Non, non, je méditais. Je dis, tu vas finir toute ta méditation là. Tu ne viens pas sur les réseaux sociaux. Tu vas voir. Bon, il y a ceux qui vont te dire, les esprits m'ont dit de ne pas passer sur les réseaux sociaux. Je veux que je sois un moine qui vit dans les airs. Merci. Non, on m'a dit de vivre comme un ermite. Que doit vivre au-dessus de la montagne. Je vous en prie. Donc, je vais vous conduire dans le processus. Je vais peut-être prendre une journée, deux journées, trois journées en fonction de mes humeurs. Je fonctionne beaucoup avec les humeurs ces derniers jours. Donc, prions que je sois de bonne humeur. Je sais que dans le passé, vous avez toujours accusé les gens de votre échec. Le truc qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est que tu travailles, ça va te redonner ce que tu as donné. Tu ne travailles pas, ton mari ne va pas venir t'aider. Ta fille ne va pas venir t'aider. Moi-même, je ne veux pas t'aider. TikTok ou bien Facebook ou bien YouTube, c'est comme la jungle. Tu veux la hustle. Tu vois, quand tu pars au machine, tu attaques là, non? Tu dois attaquer. Écoutez bien. Tu dois attaquer. Oh non, moi, tu sais, je suis modeste. Moi, franchement, je ne fais pas comme ça. Tu ne sais pas quoi. Ah, d'accord. C'est pour ça que tes revenus sont toujours comme cela. C'est pour ça que tu joues dans 50 000 le mois. C'est pour ça que quand tu mets mes vidéos comme ça, tu as mis tes 200 de crédit, ça finit. Alors que tu dois être à 1000 francs de crédit par jour. Donc, les compétences que tu dois maîtriser pour travailler sur les réseaux sociaux, premièrement, tu dois être autodidacte. Premièrement, tu dois être autodidacte. Si tu dois payer pour que tout le monde te forme pour les réseaux sociaux, tu vas dépenser même 100 millions. Après avoir payé les 100 millions, tu vas encore voir quelque chose que tu ne connais pas. Un autodidacte, c'est quelqu'un qui peut apprendre tout seul. C'est comme ça que nos enfants sont aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué? Nos enfants sont autodidactes. Si vos enfants ne le sont pas, ça veut dire que vous êtes en train de les transformer comme vous. Tout enfant qui connaît TikTok de nos jours, ou YouTube, il est autodidacte. Parce que sur ces plateformes-là, tout, on te montre comment faire le gâteau toi-même à la maison. Comment fabriquer toi-même, comment mettre tes cils toi-même à la maison. Comment mettre tes faux ongles toi-même à la maison. Comment faire ceci toi-même à la maison. Il y a tout ça en ligne. Il y en a parmi vous, vous attendez. Vous êtes encore dans l'ancien temps. Tu veux faire la formation en make-up. Vos cours, c'est trois fois la semaine. En de quatre autres jours de la semaine, tu ne veux pas regarder quelque chose d'autre que ce que l'école t'a donné. Tu es folle. Tu es folle. Tu peux payer l'école. On te dit que la rentrée, c'est en décembre. De octobre qu'on est jusqu'en décembre, deux mois. Tu apprends les choses que quand tu vas arriver, le professeur va expliquer, tu connaîtras même déjà. Parce que vous êtes paresseux. Je vous dis, Rora, ça ne te plaît pas, tu te désabonnes, pardon.
paresseux. Pardon, laissez-moi les likes dans ta vidéo aussi. Ça va monter des trucs. Et vous m'envoyez les fleurs. Quand vous n'aimez pas me donner les fleurs, là, je vais bientôt relancer le direct TikTok. Vous savez que je suis en train de le direct TikTok. Vous, là, quand vous me dérangez sur Facebook, je parle moi qu'à TikTok. Donc, déjà, dès demain, on commence à 6 heures. Je lance TikTok, je lance Facebook. Vous crânez avec vos commentaires ici, là, je passe sur TikTok. Ça fait 2 semaines, je n'ai pas fait de direct sur TikTok. Monsieur Yannick, je ne parle pas de spirituel aujourd'hui. Tu as compris? Je vous parle de comment. Vous, écoutez, hein, vous aimez tellement être spirituel que vous oubliez qu'il vous faut de l'argent. Quand on fait une vidéo, on vous explique comment vous pouvez vous mettre pour avoir l'argent. Non, tu as 6 doigts. Je ne te parlerai pas de 6 doigts aujourd'hui. Va sur Google, tu écris signification de 6e doigt. Tu vois? Ça revient à ce que je disais. Vous devez être autodidacte. Vous savez comment les gens se font de l'argent aujourd'hui? Sur les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Tu peux apprendre ce que les gens ne veulent pas perdre le temps sur Facebook ou sur YouTube pour apprendre. Tu tapes sur Google. Comment faire ceci? Tac, tu regardes. Tu prends ta plaque, tu as Bepanda. En te lycée. Tu prends la plaque, tu écris. Apprenez à faire vos ongles ici. Tu accroches. Tu n'es pas allé te former quelque part. Mais tu as passé 2 mois. Tu as mis ta connexion de 500 chaque jour. Tu as regardé. Tu es parti acheter le matériel au marché Congo. Et c'est que vous n'aimez pas les choses simples. Vous n'aimez pas. Vous aimez ce qui est compliqué. Vous aimez quand on vous donne les gros titres des formations. Moi, j'aime la. J'ai quand même fait mes formations, même l'enfant de 5 ans. Si l'enfant de 5 ans vient s'asseoir, il écoute ce qu'il dit. À la fin, je suis sûr qu'il aura même une moyenne plus que l'adulte. L'argent vient dans la simplicité. L'argent se cache dans la simplicité. Donc, partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Donc, un autodidacte, c'est quelqu'un qui peut apprendre tout, seul, sans avoir besoin de l'assistance de quelqu'un. Donc, il sait juste faire des bonnes recherches. Et même quand tu fais des recherches, il y a ce qu'on appelle le rassemblement d'informations. Information gathering. Donc, tu dois savoir comment sift, on appelle ça sift. Comment discerner, disséquer, trier les informations. Parce que quand tu vas taper une recherche sur Google, tu as au moins ce 11 000 propositions qui vont sortir. Il faut que tu traverses ça pour voir ce qui est important pour toi. Et un site qu'on appelle Quora. Q-U-O-R-A. Quora. Q-U-O-R-A. Q-U-O-R-A, Quora. Ils ont beaucoup de trucs intéressants là-bas. Comment faire certaines choses? Tu trouves ça là-bas. Donc, à part la capacité que tu dois être autodidacte, ok? Tu dois être ouvert d'esprit. Il y en a parmi vous, vous avez grandi dans des coins qui n'étaient pas très riches. Vous arrivez dans un nouveau pays. Comme vous, vous êtes habitué à manger le tarot. Non, moi, je ne connais que le tarot, je ne veux rien d'autre. Tu es au boulot avec les gens qui mangent la quiche, avec les gens qui mangent du gratin de pommes, avec les gens qui mangent du mashed potato. Tu ne veux pas t'intéresser à leur culture. C'est dans leur culture qu'il y a l'argent. Ton argent se trouve dans ce que tu as refusé d'apprendre ou d'ouvrir ton esprit à ça.
C'est ça que vous plaignez. Ah, je suis en Allemagne. Je ne vends pas. Parce que tu arrives en Allemagne, tu cibles seulement les Camerounais qui sont en Allemagne. Alors que tu as tous les autres Allemands qui sont là. Certains d'entre vous, vous êtes dans des pays où les gens ont un pouvoir d'achat énorme. Mais votre esprit est fermé. Votre tête est bloquée. Crac, on a fermé. Merci pour le partage des vidéos, monsieur Michel. Va voir comment les Allemands font leur... Va voir la bar mitzvah des juifs là. Va voir le Thanksgiving des Américains. Va voir comment ils font les choses. Parfois quand il y a leur fête, c'est le temps là que tu vas te faire l'argent. Il y a ici au Gabon, il y a une période là. Quand ils font l'indépendance. Au Cameroun, l'indépendance, c'est banal. Au Gabon. Ah. Si tu connais vendre les choses, tu vas te faire l'argent pendant l'indépendance. Tu vas vendre les choses. Tout ce qui porte le drapeau gabonais, les gens vont acheter. Supposons que tu arrives ici, tu dis que ah, moi, je suis Camerounais. Ben, tu vas perdre de l'argent, c'est tout. Parce que les Camerounais aiment trop copier les autres Camerounais. Quand allez même copier une Américaine, non. Dites-moi quand même que mon modèle, c'est Oprah Winfrey. Mon modèle. Il y a cette fille qui avait lu le poème à Amanda Gordon. Cette jeune fille de 22 ans qui avait lu le poème à l'ouverture. Joe Biden. Biden. Ils ont préféré dire Biden. Le président des États-Unis. Quand on l'a mis président, c'est elle qui avait fait le poème là. Je suis allé sur sa page après, j'ai dit waouh. Je crois qu'à cette période-là, chaque jour, elle avait au moins, sur Instagram, elle avait au moins 20 000 abonnés par jour. En tout cas, c'était sa période, c'était son moment. Elle est quittée de peut-être 900 000 abonnés à 3 millions d'abonnés en 2 semaines, quelque chose comme ça. Moi, je me suis intéressé à ce qu'elle faisait. Je suis allé voir. Il se trouve que la fille avait de la substance. Elle a de la matière grise. Elle était élevée par une mère. Elle a une jumelle. Sa maman, c'est une mère célibataire de plusieurs années. Au moins 17 ans qu'elle n'avait pas un homme dans sa vie permanentement. C'est vrai qu'il y a certaines matières qui sont fortes. Je ne sais pas comment elle fait. Tu ne te sépares d'un homme à 30 ans, à 60 ans. Tu n'as pas eu d'homme dans ta vie. Tu n'as pas fait l'amour. Je ne sais pas comment elle fait. Mais bon, ce n'est pas le sujet. J'ai remarqué que la petite avait beaucoup de rêves. Vous devez... Voilà les filles qui peuvent inspirer vos enfants. Chaque jour, tu es à la maison, tu vis au Maryland. Je sais pas ce que tous les Camerounais font au Maryland. Allez vivre à Washington, allez au Texas, allez bouger. À Miami. Sortez de votre zone de confort. Mettez l'accent américain sur votre bouche. Supposons que tu fais une vidéo sur ta page YouTube. Hello everybody, my name is Jocelyn. Today I will show you how to use this thing. Look, this is a lip gloss. It is called DaVinci. And if you want to use it, you have to pull like this. Si je parle comme ça, c'est sûr que mon audience sera limitée. Hi guys, this is Jocelyn. Today I'm going to introduce to you a lip gloss. I know, you know, it's not really my thing, but this one I've tried it and I quite like it, you know. If you're new to my channel, I suggest that you consider subscribing. Okay, I share videos here every day. So let's just start, okay? This is a lip gloss I got from Givenchy. You know, in the beginning, I was quite, you know, skeptical about using the product. But after a month, I've used this every single day. And trust me, it's amazing. Quand je parle d'ouverture d'esprit, tu dois pouvoir regarder Elon Musk. Tu dis, comment l'homme l'a fait?
Les Jack Ma. Le problème des Camerounais, c'est que vous êtes confortable. Tu es arrivé au Canada. Tu ne peux pas t'informer sur le Canada. Tu ne connais pas la coutume des Canadiens. Tu ne connais pas. Si faut que on te dit de partir ouvrir même un restaurant pour vendre. Tu vas faire la langue justement pour les Camerounais. Tu es dans un village où il n'y a que les Canadiens. Tu fais comment? Vous devez aussi apprendre rapidement. J'insiste beaucoup là-dessus parce que le monde des réseaux sociaux, cette époque-ci, c'est une époque où ça va vite. Tu restes comme ça. On te dit qu'il y a une nouvelle trend, surtout sur TikTok. Vous avez remarqué que vos enfants sont très rapides là-dessus. Vous avez le danse qui font ça. Je ne connais pas danser ça. Ce sont mes filles qui font ça. Vous voyez Kelly qui est sortie avec sa danse. Non, Kelly a chauffé pendant un mois ici. Là, après, Kelly est partie seule. Le truc qu'ils font, ils ont des danses là. Show me a little. En fait, vous ne devez pas avoir la capacité de voir quelque chose. Vous apprenez rapidement. Alors, moi, j'aime pas ça. Non. Non. Je suis passée sur le profil de Madonna l'autre jour. Madonna. C'est Madonna, non? La vieille Madonna, là. Eh bien, elle s'est refaite. Hein. Allez voir sa page. La femme a rené de ses cendres. Je ne sais pas combien de vies elle a eu dans cette vie. Sur TikTok, c'est une icône. Sur toutes les plateformes où elle est. Comment est-ce qu'on fait pour rester... On trend, en anglais on dit on trend, pour rester à la mode pendant toutes ces années. Vous savez que chaque année, il y a au moins 1000 stars, 1000 nouvelles stars. Oh, les quoi là, je ne connais même plus le nom. Hein. Elles sortent tous les jours. Tous les jours. Voilà, regardez par exemple Cardi B. Chaque année, elle gagne des awards. Parce que c'est que si tu n'apprends pas, tu fanes, on te dépasse. On te dépasse. Et quand tu dis que tu vas faire quelque chose sur les réseaux sociaux, ça va vite. Et les gens se fatiguent rapidement. People get bored easily. On arrive, on te regarde. Tu as 2 secondes pour me distraire. Tic, tac, next. Tic, tac, next. Tic, ah, next. Next. Tic, tac. Ok. Parce que les gens ont ce qu'on appelle aujourd'hui short attention. On appelle ça en comment là Les gens sont très facilement distraits aujourd'hui. Très facilement. Donc, pourquoi tu vois quelqu'un qui te dit, je suis venu devant une vidéo, j'ai voulu aller derrière ce que la personne faisait. J'ai voulu comprendre, what's behind the person, etc. Donc, si tu veux percer sur les réseaux, tu dois savoir apprendre rapidement, t'adapter à la mode rapidement, mais en gardant ton originalité. Ce qui fait que ça m'amène au prochain point. Tu dois trouver ce qui te rend unique. Il y en a parmi vous, la clé des réseaux sociaux, c'est l'imitation. La clé. Tu peux regarder ce qui marche, tu répètes la même chose. Just copy what you see. Don't try to, you know, to show that you're a genius. Je crois que TikTok nous l'a prouvé. Il y a des musiques de TikTok qui sont très à la mode. Si tu utilises ces musiques-là pour faire tes vidéos, tu as plus de chances que tes vidéos soient vues par les gens.
prends ces vidéos, tu cherches ce qu'il y a à la mode. Quand c'était, il y avait Bouga. Bouga. Oh là là là. La période là, si tu mettais ça sur ta chanson sur TikTok, tu es sûr que ça va arriver devant le public rapidement. Tu dois passer du temps, on peut dire pour commencer, de façon idéale, choisis deux réseaux sociaux maximum. Maximum. Pas plus de deux. Sinon, tu vas t'embrouiller, tu seras fatigué. J'avais fait, il y a un moment, en 2019, quand je venais de commencer l'entreprise, parce que j'ai lancé la page en fin 2016, début 2017, mars 2017. J'ai lancé la page de Gift Digger Academy. Bonjour Paul. Donc 2018, en 2019 je suis passé en entreprise. Et 2019 j'ai lancé aussi Instagram. Donc je faisais YouTube, Facebook, Instagram. C'était très lourd. Et je n'avais pas de community manager. Donc j'étais seul à poster sur toutes les plateformes. C'était très 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 fatigant. Maintenant, soyez prêts à mettre le travail nécessaire. Le conseil que je peux donner sur les réseaux aussi, c'est que vous devez trouver votre plateforme. Ce qui m'a lancé sur Facebook, ce sont les directs. Quand tu dis que tu vas faire les directs, tu dois être vrai avec les gens. Bonjour la reine Diaï. Bonjour Rosa. Oh, pur bonjour. Tu dois apprendre à être vrai. Parce que si tu es quelqu'un qui prétend beaucoup, quelqu'un qui est là pour mettre une façade pour les gens, les directs vont t'épuiser. Parce qu'à un moment, il y a une expression, il y a quelque chose que tu as laissé échapper qui vont faire que les gens vont dire, oh, that's kind of creepy. Why is she acting like that? You know? Tenir pendant 2 heures de temps sur un direct et qu'on ne voie pas ta vraie personnalité, ce sera difficile. Donc, parce que je sais qu'il y en a parmi vous, vous voulez vendre, mais vous ne voulez pas qu'on sache qui est derrière le business. Donc, si c'est le cas pour vous, Instagram peut vous aller et TikTok. Parce que Facebook n'est pas trop image. Facebook, c'est plus engager les gens. Rosa Park, si tu viens avec des questions bizarres, moi, il va même peut-être te bloquer. Hein. Oh, you are. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment... Si vous avez une question concernant ce que je suis en train de dire sur les réseaux sociaux, je sais que je suis en train d'aider certaines personnes à sauter le pas finalement et se lancer. C'est qu'il y a plein d'entre vous, vous avez des compétences, vous avez des produits à la maison, c'est dans votre salon depuis. Tu as mis 5000 euros sur ça, c'est dans ton salon. Il faut que tu vendes les produits, ma chérie. Faut que tu vendes, soit tu vends, soit tu jettes, hein. Soit tu cadeaux des gens avec, et puis et basta. Tu passes à autre chose. Ça te retient là, ça te ralentit. Voilà. Ça te ralentit. T'as compris, non? Les mèches que tu as mis dans ton armoire là, tu vas faire quoi les brésiliennes? Les brésiliennes de 5000 euros. Faut vendre, ma chérie. Voilà. Tu t'es mis dans un marketing de réseau, tu as acheté les produits, tu as mis à la maison. Il faut vendre. Voilà. Donc. TikTok, actuellement, moi, je dirais le meilleur réseau pour vendre, c'est TikTok. Et je sais que les gens ne vont pas croire parce que tout le monde est chuté sur TikTok. Bonjour, Armel. Tout le monde est sur TikTok de nos jours. Même ta grand-mère. Vous voyez, quand Facebook est venu, tout le monde a résisté. Aujourd'hui, tu vois les grand-mères qui n'ont pas de dents, qui te font les elle fait le selfie, elle met sur TikTok, sur Facebook. Ils sont en train d'arriver sur TikTok aussi. TikTok ne demande pas encore d'argent pour te mettre en avant. Avant, Facebook ne demandait pas l'argent. Maintenant, Facebook va te dire, oh, il faut payer pour qu'on... Pour monétiser ta page. Ce qui est bien avec TikTok, c'est que l'argent de TikTok est immédiat. Il est direct que je fais, il sort comme ça là.
Dès que je viens direct, je vois l'argent dans mon PayPal. Ça, c'est le bienfait de TikTok. Sur TikTok, tu peux mettre. Moi, j'ai mis le lien de mon WhatsApp. Donc, quand les gens voient ce que je fais, ils peuvent venir directement me contacter inbox. TikTok est plus pratique. Et TikTok, c'est un peu comme la roulette russe, c'est le hasard. Donc, si tu es assez consistant, tu postes à des heures précises. Vous savez que tous ces réseaux ont toujours ces algorithmes. Vous savez que chez moi, je fais toujours mes directs entre 6h et 7h. À partir de demain, ce sera 6h10 maximum, vous me verrez connecté. 6h du Cameroun, bien sûr, pas de la France. Ouais. Parce qu'après, avant, c'était encore trop noir. Attendez, je bois un peu d'eau. Donc, j'expliquais par rapport à TikTok ceci. TikTok, Instagram est en train de mourir, on va dire. Marion Vanessa, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu dois savoir ce que tu veux. Moi, je peux ne pas manger. Je pouvais payer 5000 francs par jour pour ma connexion. Parce qu'avec 5000, si j'ai des objectifs, je peux multiplier ces 5000 là même par 10, par 100, par 1000. Parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas d'objectif, pas de but. Tu es seulement là, Rosana. Tu es là. On ne part pas pour consommer du contenu. C'est comme si j'achetais mon ticket d'entrée pour aller dans un événement de networking. Et dans l'événement, j'ai tout le monde. Et j'entre dans la salle, tout le monde est en train de danser. Je prends mon téléphone, je commence à crier. Hey, écoutez-moi. Hey, hey. C'est ce que tu fais quand tu mets ta connexion et tu mets ton direct. Ce matin, j'étais en train de scroller sur truc là, sur Facebook. Et tu m'as vu, j'ai commencé à crier. Hey, hey. Parce que quand tu mets une vidéo, tu es en train de crier pour dire aux gens de te regarder. Donc, suppose que la connexion que tu payes, c'est ton ticket d'entrée dans la salle. Je dois vous expliquer, pour que ça rentre dans vos têtes. Vous devez vous faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Avant que vous voyez les gens parler, c'est que c'est la sorcellerie. Je n'entre pas dans votre secte là. Ah. C'est quoi cette secte là où tu dis que tu peux travailler de n'importe où dans le monde? Je pensais que c'était la sorcellerie. Je pensais que c'était la sorcellerie. Donc, voyez les réseaux sociaux comme si tu achetais ton ticket. Tu arrives à une boîte de nuit. Tu entends la boum dedans. Boum, boum, boum. Et même quand tu pars en boîte, il y a des gens qui partent danser, il y a des gens qui partent vendre leurs produits. Celui qui organise la boîte de nuit là. Quand vous allez rentrer chez vous, vous aurez bu, vous aurez dépensé, vous serez fatigué. Lui va compter son argent. Et vous savez que c'est pas la boisson, c'est pas la seule transaction qu'on fait dans la boîte de nuit. Il y a d'autres choses. Et les femmes qui vont rentrer là-bas avec leur gibier qu'elles auront attrapé. Oh. Je ne fréquente pas ces endroits, donc je ne peux pas vraiment vous dire d'autres activités qui se passent là-bas. Mais je veux que vous voyez ça comme un ticket. Tu arrives à la porte. On dit 1 heure, c'est 1000 francs. Une soirée de 24 heures, c'est 5000. Tu peux entrer avec ce que tu veux. Si tu veux, tu portes même tout ton kakou. Tu viens avec, tu entres avec. On ne va pas refuser. Si tu es intelligent, qu'est-ce que tu fais? Tu portes ton kakou de Longreach. Tu sors tes 5 colos, tu dis prenez. On ouvre la porte, tu entres avec. Tu arrives, tu cherches un endroit, un petit coin là-bas. Il y a la place dans l'espace. Dans la boîte de nuit, là, il y a l'espace pour tout le monde. Tu mets ton cap au sol. Tu installes tes choses. Hé, hey, oh, regardez, je vends la pâte dentifrice Longreach. Ben, tu peux faire ton masque avec. Oui. Bientôt, je vais faire Longreach. Je vais commencer à vendre des Longreach là. Oui. Pendant que tu es en train de bosser tes dents, tu fais ton masque. Après, ton visage est tout frais. Oui. Oui, oui. Il y a une femme de Longreach qui est en train de me draguer depuis. Elle dit qu'elle me drague. Elle dit qu'elle me drague depuis. Elle dit drague-moi encore bien.
Je veux que vous voyez les réseaux sociaux comme une salle où ils ont déjà fait tout le travail. Ils ont amené les clients pour vous. Maintenant, ton petit magasin que tu as à Mokolo là, ton petit magasin que tu as dans la rue Fauchevet là, au boulevard de l'indépendance, c'est seulement l'entrepôt. C'est là-bas que tu stockes ta marchandise. Parce que vous savez que de nos jours, on ne s'assoit plus dans le magasin, les gens entrent. Quittez dans l'ancien temps, je vous en prie. Va t'asseoir dans ton magasin, tu ne postes rien. Tu veux me dire combien de personnes vont entrer? Vont voir. Combien de personnes vont payer? Tu as le téléphone à ta main, tu es dans ton magasin dans la journée. Tu es sur le téléphone. Dis, mais tu es folle ou tu es bête ou tu t'en fous? Tu es fou, tu t'en fous. Tu paies le loyer d'abord, 75 000, 100 000, 150 000. Tu as dépensé presque 10 millions sur la marchandise. D'abord. Maintenant, tu viens, tu t'assois, tu croises les pieds. Tu attends que les clients quittent de chez eux. Téléguidé par une force extraterrestre. Que le satellite qu'on a lancé dans l'espace les guide par télépathie. Ils marchent comme les zombies, comme ça là. Je suis venu dans ton magasin. Alors que tu peux faire les vidéos, tu mets en ligne, tu mets hashtag Douala, hashtag Makepe, hashtag chaussures, hashtag sac de rentrée scolaire. Hein? Moi, je sais que les paroles qui sortent de ma bouche, I'm talking sweet talk. My talk is fine. Donnez-moi mes cœurs. Je sais que ma parole est sucrée dans vos bouches. Vous ne savez pas. Ma talk des sweet. Supposons une autre personne qui n'avait même pas 150 000 pour payer le magasin. Elle a une deuxième chambre chez elle. Elle achète la marchandise, elle dépose là-bas. Chaque matin, elle se lève. Et dès qu'elle finit avec les enfants, ils ont mangé, ils sont devant la télé. Ces deux bébés de 1 an et demi et 3 ans là, elle les met devant la télé. Elle prend son téléphone. Elle prend les chaussures là, elle met ça quelque part dans un angle là comme ça là. Elle filme. Elle fait un petit collage. Elle met sur TikTok. Quand vous postez, petit secret, mettez-moi les hashtags de votre ville. Hashtag Libreville. Hashtag Douala. Les gens de la ville où tu es, où tu as mis le hashtag là. Dès que tu postes, pam, ils sont en train de faire. Ça va venir devant eux, ils vont voir. Donc, tu dois trouver ton unicité. Généralement, quand je fais mes formations, pour montrer aux gens comment construire leur personnalité sur les réseaux sociaux, je leur conseille toujours d'avoir 3 piliers sur leur page. Si tu fais une page où tu parles seulement d'un seul truc, quelqu'un peut venir à toi parce que il écoutait la motivation que tu donnais. En fait, tu vendais les sels. Vous savez, je vends les produits spirituels. Je suis en train de vous parler de TikTok ce matin. Dans mes piliers, j'ai l'entrepreneuriat, la spiritualité et les réseaux sociaux. Voilà mes piliers. Les 3 choses dont, quand il fait n'importe quoi, il tourne, je tourne. Et il vient toujours là-dessous. J'ai mis aussi un peu de motivation dedans. Donc, supposons que tu vends les chaussures. Et à part tes chaussures que tu vends, parce que ce qui accroche aussi, qui va accrocher tes clients, c'est de connaître ton histoire. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas partager leur histoire. Je vais vous raconter l'histoire du jour où j'ai raconté mon histoire sur les réseaux sociaux. Ok, vous êtes prêts? Ok, allons-y.
Ceux qui m'ont écouté, vous avez écouté mes vidéos, vous savez un peu d'où je viens, vous savez qu'en 2017, fin 2017, j'ai eu un mariage qui a foiré. Et il m'a quitté en 2018. Donc, de 2018, d'avril 2018 à mars 2019, donc un an pratiquement, il est parti le 6 avril jusqu'au 19 mars de l'année qui a suivi. Je faisais des vidéos comme une acharnée. Je me suis, genre, quand il est parti, je me suis lancé totalement dans. Parce que je croyais en The Gift Digger Academy. Et c'est en 2019, hein. 2018 même, donc ça fait 4 ans. Ce qui fait qu'il n'y avait même pas l'ombre de la réussite sur The Gift Digger. J'avais peut-être 3 000 abonnés le temps là. Ouais. 3 ou 4 000. Ouais. J'avais un rêve, j'avais une vision que Dieu m'avait donnée. Et quand on s'est marié, j'ai abandonné un peu de Gift Digger Academy pour me mettre là-dedans. Après, je me suis rendu compte que non, voici ma voix. Donc, quand il est parti, j'ai commencé à travailler et je cachais, j'avais construit donc une carapace, une personnalité extérieure que je montrais. Ouh, je faisais beaucoup de make-up à ce moment-là. À ce moment, j'aimais le make-up. Ouais. Il y avait des dragueurs pour qui me draguaient, il fallait aimer le make-up. Ouais. Ce n'est pas de raison, mais bon. Pendant presque 2 ans, j'ai commencé à mettre du make-up énormément. Si vous allez sur mon profil personnel, je vous ai déjà précisé que je ne vous enverrai jamais d'invitation. Je n'invite jamais les gens, je ne vous envoie pas d'invitation. Ma page personnelle, ça fait au moins 6 mois que je ne suis pas passé là-bas. Parce que je suis trop occupé, ça fatigue. Ça ne donne pas l'argent. La page personnelle ne donne pas l'argent. Je me suis concentré sur la page business. Donc, ça, c'est aussi un autre secret que vous devez faire. Si vous vendez vos produits, vous avez les pages personnelles, convertissez-les en business. Ou bien arrêtez de poster sur le perso, allez sur business. Ça va faire plus de sérieux. Ok. Donc, pendant cette année, j'enseignais aux gens les réseaux sociaux, la motivation, beaucoup de choses. Je travaillais comme une malade. Je dormais souvent sur le sol de mon bureau. Je préférais le sol. J'avais un canapé, mais je préférais le sol parce que quand je dormais au sol, je n'étais pas très confortable. Donc, parce que je ne dormais pas toute la nuit. Donc, la nuit, c'était le moment où je pouvais mettre mes stratégies sur pied. Je pouvais écouter les livres. Parfois, je dormais 2-3 heures par nuit. Donc, je prends un coach, donc, en début 2019. Parce que je trouvais que ce que je faisais, je mettais de l'énergie, mais ça ne donnait pas ce que je voulais. Donc, un jour, je dors comme ça. Vers 14 heures, j'avais tellement bossé, j'étais fatigué. Donc, je m'assoupis sur le canapé et je ne me réveille pas. Je dis, non, il faut que je prenne un coach. Dans le sommeil, comme ça, je suis allé, j'ai pris ma carte de crédit. J'ai payé 2000 euros. Ouais. J'avais 4 séances avec le coach. 2000 euros cash. 2000 euros. Donc ça faisait 500 euros par heure. J'étais tout excité. Je réserve ma séance avec lui. C'était le coach Njamen, William Njamen, si vous le connaissez. Il m'a beaucoup aidé. Parce que vraiment, il coupe, il fend ton âme, on va dire. N'hésitez pas à payer les coachs, je vous en prie. Ça m'a beaucoup aidé. Donc. Lui, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est comme si Dieu lui a donné ce don d'opérer ton âme carrément. Donc, j'étais tellement excité pour la première séance. Like, oh my God, oh my God. On a fait ça par appel Zoom. Première séance, nous voilà avec le bic. Tac. Il allait regarder ma page, il a étudié un peu, il devait me montrer mes failles. Je m'assois avec le bon monsieur, on fait 45 minutes. Ouais. Ouais, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Après, il me dit, tu dois partager ton histoire avec ton public. Il dit, moi? Non. I ain't doing that. Non. Je crois qu'on avait parlé de 7h à 8h. Je dis, I ain't not doing that. Il me dit, tu as construit une carapace autour de toi et ton public ne sait pas qui tu es. Je vais vous dire, dans ma tête avant, je me disais, si les gens connaissent mes faiblesses, ben, ils vont me juger. Ils ne vont plus acheter. Mais de toutes les façons, ils n'achètent pas la quantité que tu veux. Ouais. You got a point, ok? You got a point. Ouais. Donc, long story short, j'ai refusé. Mais je te dis ce que tu vas faire. Tu me payes pour que je te dise la vérité. Donc, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais pas.
Donc, je finis avec lui 8h00 pile, je raccroche. Je dis, dame, why am I gonna do? Je crois qu'une heure et demie plus tard, j'étais en train de lancer un direct qui a fait 3 heures. Donc, de 9h30 à peut-être 10, 11, 12, 12h30, hein, j'ai partagé toute mon histoire sur ma page. Je ne sais pas si je peux arriver à la retrouver, mais si vous allez dans les archives, page de, en 2019, vous remontez dans les vidéos, j'ai posté beaucoup de vidéos sur cette page. Vous allez trouver cette vidéo, 3 heures de temps. 2h50, 6 minutes, je pense. Et là, j'ai partagé les détails que même ma famille ne connaissait pas. Parce que j'ai été physiquement battue quand j'ai lancé dans cette relation. Et quand ça se passait, j'allais à l'hôpital. Une fois, je suis rentrée avec un truc sur le cou. L'hôpital me disait porte plainte. Je disais non. Je rentrais et j'attendais que ça guérisse. Et quand ça guérit, vous connaissez quand quelqu'un vient te taper dessus, comment la personne change de personnalité. Like, à un moment, la personne. Et la minute d'après, oh, désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Tu sais que je t'aime, non? C'était like, no, that was a psycho, man. Donc j'ai partagé ça avec mon public et je pense que même ma famille a appris ça sur les réseaux sociaux. Mais je ne veux pas vous mentir la guérison émotionnelle que j'ai eue. Les messages que les gens m'ont envoyés après, genre waouh, ton témoignage m'a libéré. Et pour vous, like to be honest with you, I was doing it. Je ne faisais pas pour que les clients viennent après ou bien quoi que ce soit. Je ne savais même pas l'effet que ça allait avoir sur moi après. C'est comme si j'ai déposé 100 kilos au sol et c'est comme si je suis monté sur une fusée. Je me sentais comme si Sia dit dans sa musique. I'm unstoppable. I'm a with no brains. I'm invincible. Like, you know. Vous savez, on a tous nos peurs en nous. On a des choses en nous. Tu vois, parfois, on te dit, mais pourquoi tu ne te mets pas sur les réseaux? Non, tu vois. Mais au fond de toi, tu as cette petite fille, en cinquième, on se moquait de toi. On disait que tu as un gros nez. On disait que tu as des gros yeux. Tu as encore peur qu'on te juge. M'ouvrir de cette façon ce jour-là, ça fait qu'après, je n'ai plus la pression de. Après, si vous saviez le nombre de personnes, les femmes intellectuelles qui m'ont approché après. Quand une femme m'a dit, je suis ingénieur, je travaille peut-être à Washington, elle va te dire, voilà, je suis dans les 5 000, 6 000 dollars le mois, mais je veux que tu me coaches. J'ai dit, waouh. Parce que ce qui va intéresser tes clients, ce ne sera pas que tu veux les impressionner. Je vais vous mentir, il y a toujours quelqu'un de mieux que toi. Moi, j'ai compris ça. I'm not the best of the world, but I'm the best for me. OK? And if I like me enough, somebody is going to like me. And trust me, I like me. Je m'aime, je m'aime jusqu'à. Si vous savez que moi je m'aime. En fait, il fait ma chose, je sors même comme ça. Là, j'ai mis un habit sur moi qui n'est même pas. Mais le genre que je marche, on croit que la fille, si elle a mis l'habit, le Louis Vuitton de 5 000 euros sur elle. Parce que j'ai compris, je ne suis pas définie par ce que je mets, ou bien par ce que tu penses, ou bien par. Like, I don't care. Je suis comme un bébé qui sort du ventre. Tu es nu, mais tu es là, tu veux te vanter. Alors que tu ne sais même pas que tu es nu. Oui. Quand tu enlevais souvent la couche de l'enfant, il aime courir comme ça, là, non? Il court tout nu. Si c'est un petit garçon, tu vois, son zizi va balader comme ça. Ça veut dire qu'il vient t'habiller. Parce que l'enfant a une. Il n'a pas la conscience de que c'est quelque chose qu'on va mettre sur lui qui va le rendre beau. Il sait qu'il est beau. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez toujours peur.
Parce que ce qui me retenait avant, c'était ce que ma famille va penser de moi. C'était ce que mon ex va penser de moi. Oui, j'ai traversé cette étape. Parce que quand quelqu'un t'a abusé avec des paroles et puis les mains, même si physiquement vous êtes séparés l'un de l'autre, tu te dis toujours, tu as toujours un peu inconsciemment peur de l'opinion de la personne. Parfois tu as divorcé du gars longtemps, le père de tes enfants, mais il y a encore inconsciemment that leverage that the person has upon you, cette domination que cette personne a sur toi, inconsciemment. Voilà. Donc, ouais. Ça m'a libérée. Et ce que j'ai compris par la suite, et j'en ai un peu voulu aux Africains, c'est parce que on cache beaucoup nos souffrances. Et on va venir mettre la façade. Je veux seulement montrer aux gens que voilà, je suis mariée. J'ai la bague. Et quand tu vois une autre femme qui n'est pas mariée, qui souffre avec ses trois enfants peut-être, dis-lui ce que tu as traversé. Ou bien dis-lui ce que tu supportes dans ce foyer. Ne prends pas les grands airs. Ne prends pas les grands airs sur cette personne. Il y a des Africains qui ont Boza, on va dire. Ils avaient traversé le désert pour arriver en Europe. Et tu es arrivé là-bas, tu as wa pendant 10 ans. Tu as souffert pendant 10 ans. Avant de construire cette personne que tu es. Et là, tu as des jeunes qui arrivent. Pourquoi tu ne leur dis pas ce que tu as traversé? Aujourd'hui, on voit ta grosse Mercedes. Quand tu ouvres au sol, on voit le signe Mercedes qui s'affiche. Quand tu démarres le moteur, fait. Oh, il a dit, je veux devenir comme elle. Dis-lui que tu faisais 4 boulots à un moment. Raconte à la jeune fille ce que tu as traversé quand le père de tes enfants est parti. Comment tu laissais l'enfant de 5 ans à la maison qui s'occupe de sa petite soeur de 2 ans pour aller travailler. Tu guettais, tu avais peur que les services sociaux se rendent compte que tu as laissé les enfants à la maison seuls. Parce que tu n'avais pas le choix. Nous les Africains, on cache beaucoup nos souffrances. C'est quand tu partages une souffrance, ça ne t'affaiblit pas. Tu ne sais pas ce que l'autre... Peut-être que tu es dans ta 50e étape. Tu rencontres une jeune fille qui est à sa 15e étape. Elle te voit, tu es à l'étape 50. Elle se sent mal. Moi, je suis posée à l'étape 50, pourquoi? Tu dis, non, ma chérie, moi aussi, j'étais à 15 comme toi là. Après, je suis montée à 16. Après, je suis montée à 17. Après, 18. Continue seulement. Quand quelqu'un me voit, tata, aide-moi. Je dis non. Je préfère te donner 2 conseils au lieu de te donner l'argent. Tu veux pas, je laisse. Ce n'est pas parce que tu vas trouver que je suis méchante que je suis méchante. Je m'en fous. I don't care. Bon, je trouve que beaucoup d'Africains sont très hypocrites. Quand vous arrivez au pays, vous voulez seulement prendre les bons meublés. Oui, si vous avez chronométré vos 14 jours au pays, il faut que les 14 jours soient parfaits. Quand la personne vend tout ce qu'il a, il prend ses 3 millions, il fait les papiers, il arrive en bain. Il se rend compte que c'est chaud sur toi. Tu vis dans une petite chambre. Tu es dans le métro tous les jours. Pourquoi tu ne lui as pas dit ça? Donc moi, ça m'a libéré. Ce qui fait que si vous voulez percer sur les réseaux sociaux, et moi je dis encore, c'est quand tu t'humilies, when you humble yourself, then God will lift you up. Quand tu t'humilies devant Dieu, c'est là qu'il va te soulever.
Donc, tu dois être, pour ta page, j'ai parlé des trois piliers que tu dois avoir. Tes trois piliers, parce que c'est ce qui va te donner l'argent. Tu n'en parles pas trop, hein. Avec les deux, si tu viens donner la valeur aux gens, tu enseignes. Tu peux t'intéresser à un sujet qui te tient à cœur. Ou tu cherches un sujet qui a la mode. Les sujets qui passent un peu. Il y a la perte de poids, l'amour, l'argent. Le coaching dans ces pertes de poids, l'amour, les relations amoureuses et l'argent. Comment se faire de l'argent? Donc, tu dois avoir la volonté d'aller chercher. You have to be willing to learn in order to teach other people. Because in the beginning, we don't care about your knowledge. OK? Au début, on s'en fout de ce que tu sais. Si tu savais, tu serais déjà riche. Si tu n'es pas riche, ce que tu ne sais pas. J'ai raconté beaucoup d'arrogants parmi vous là. Et vous, regardez, je vais vous conseiller, vous commencez à gna 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 gna. Je dis, oh, silly you, dumb. Bon, c'est mieux que j'insulte en anglais, parce que si je vous dis en français, ça va vous énerver. Il y en a parmi mes frères qui sont venus souvent dire, ouais, je veux travailler avec toi. Mais ils ne sont pas ouverts au conseil ni à la critique. Tu le guides, tu dis va faire ta page, tu postes ça et ça sur ta page, ça va marcher. Non, non, moi, va, tu recherches, tu viens donner aux gens. Non, non, je dis ouais, Seigneur. Tu crois que les 100 000 abonnés que j'ai sur TikTok là, que j'ai eu en ces 5 mois, tu crois que j'ai bien volé? Je vous dis ce que moi-même je fais. Quand vous n'aimez pas la vérité, c'est ça le premier point. Vous n'aimez pas la vérité. Parce que pour vous, il faut qu'on vous mente. Vous aimez la fémania. Vous aimez, donne-moi 1 million, je te dis. Tu donnes 1 million. On porte un petit truc, on te donne. Ah oui, je suis partie, elle m'a donné ça. Hein. En fait, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais moi, j'ai toujours dit, je ne tomberai pas dans votre piège. Parce que je sais que les Camerounais aiment beaucoup qu'on les impressionne. Vous n'avez pas trouvé ça dans ma maison. Je ne suis pas là pour vous impressionner. Voilà. Donc, vous devez avoir la volonté d'enseigner. Et pour enseigner, ce n'est pas compliqué. Cherche un sujet qui te tient à cœur. Tu vas en ligne, tu cherches les vidéos. Et parfois, en faisant ça, tu vas voir que tu vas trouver ta voie. Peut-être au départ, tu faisais le shopping, tu vendais les chaussures. Tu achetais les chaussures chez les Chinois, là, tu venais revendre aux gens en ligne. Tu commences à faire les vidéos, tu parles des conseils des parents pour enfants, conseils amour. Ça construit ta popularité. Les gens commencent à te... Parce qu'il y en a parmi vous, vous avez déjà des dons naturels. Il y en a, vous avez le don de voyance. Il y en a, vous avez le don de... Les médiums, là, les psychiques. Il y en a, vous pouvez lire les cartes. Il y en a, vous pouvez... même lire les mains des gens. Il y en a, vous pouvez... Conseil d'amour, là. Vous n'êtes pas marié, mais vous donnez de bons conseils pour les gens qui sont mariés. Donc, je sais pas, naturellement, il y a une sagesse qui, très profonde qui sort de vous. Donc, allez dans ce domaine-là. Commencez à chercher des vidéos. Au départ, vous allez chercher, parce que peu importe ce dans quoi vous voulez faire, quelqu'un a déjà fait ce genre de vidéo-là. Donc, tu vas en ligne. Tu cherches. Tu passes sur YouTube. Oh, tchang. Tchang. Où you are? Écrivez ici là que « eh ». Vous voyez comment vous allez écrire « eh ». Que you. Dites « eh ». En passant, là, les bassas, les bêtis, là, vous allez écrire le badjounet aujourd'hui. Dites « eh ». Que you. Voilà. Oh, tchang. Tu pars, tu regardes la vidéo qui a marché le plus. Supposons que tu trouves 4 conseils pour qu'il t'épouse rapidement. Allez sur YouTube, vous tapez ça. Astuce pour qu'il t'écoute, non. Et non, Marie, Lisa, non. C'est pas et. Ça fait hé, hey, ça fait pas et. Hey. J'ai dit et. Hey. Dorine, tu as raté. Dorinelle, tu as raté. Donc, si tu as raté,
Daline, tu as raté. Daline, tu as écrit her. Ce n'est pas her. Ouais, Seigneur. Dorinelle, j'ai pas dit. Ngueyouk. Ange, tu n'as pas mis l'accent sur E. Lisa, Ezima, mince. Non, Dieu m'ouvre le fruit, tu as l'autre chien. Gassoa. Et qui a Gassoa? Non, Ange, tu as que ça vient déjà. Dorine, n'y a pas l'accent sur ton téléphone. Mets l'accent sur ça, c'est ce que ça va donner. Je veux voir un boulou qui écrit ici, là, Kengoyo. Écrit. Mon chauffeur est boulou. Donc, souvent, il parle à mon chien. Il dit coloc. Je sais pas si c'est le boulou. Ouais. Il dit coloc. Le père m'amuse trop. Oh my god. Bon, la pause de... J'ai essayé, mais il n'y a qu'un gagnant. Le photo, photo. Je crois que c'est photo qui a gagné. Donc, photo, il t'envoie plein de bisous et de bénédictions. Tu connais écrit ton patois. Ah bon. Oui, donc si. Tu veux venir en retard, mais c'est ça. Donc, vous allez chercher un sujet qui a trait avec l'un des piliers dont vous voulez parler sur votre chaîne. OK? Comment, supposons si c'est l'amour, comment faire qu'il t'épouse rapidement? Tu mets ça sur YouTube. Tu cherches les vidéos qui ont le plus de vues. Tu regardes comment la personne a fait sa part. Tu pars, tu fais ta part de la même façon. Ça peut être des vidéos en anglais que tu traduis en français. C'est comme ça que j'ai commencé mes vidéos. Je cherchais l'anglais, je traduisais en français. Et là, tu reviens poster. Sur TikTok, pareil. Hein. Tu cherches des. Vous savez, sur TikTok, il y a des audios qui traduisent. Il y a des audios que tu peux utiliser. Les gens en font sonore. Tu prends un truc qui est à la mode. Tu refais juste. Maintenant. Assure-toi que ce que tu as copié, que tu veux mettre sur ta page, que ça va éduquer. Parce que de nos jours, vous savez, les parents n'éduquent plus les enfants correctement. Et on se retrouve avec des gens qui ne savent rien dans leur relation, qui ne savent rien par rapport à l'argent, des gens qui ne savent rien par rapport à leur mission de vie, qui ne savent pas en fait, ils n'ont aucune idée. Donc, tu te retrouves en train de. Toi d'abord, tu as souffert parce que je vous dis toujours la raison pour laquelle je me suis retrouvée en train de faire du coaching, c'est parce que j'ai manqué cet encadrement quand je grandissais. J'ai dû me construire seule, j'ai dû être. Je t'ai laissé à moi-même, hein. J'aurais pu virer dans la prostitution, j'aurais pu faire beaucoup de choses, ouais. Mais j'ai décidé de me donner un sens clair à ma vie. Vraiment. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont besoin d'une direction. Donc, peu importe le contenu que tu vas choisir, je rappelle que ça va prendre du temps. Donc, si tu es pressé, c'est en fonction de la vision que tu as. Si tu es pressé et tu dis que tu veux faire ça seulement en 2 jours, avant que je lance TikTok, je ne savais pas que j'allais avoir autant de succès sur TikTok aussi rapidement. Ma fille m'a toujours dit, fais TikTok, TikTok. Elle voulait toujours faire TikTok, moi j'ai refusé. Et comme ça, là, un matin, je me dis, ok, il faut que je lance TikTok aujourd'hui. Première vidéo en 2 jours, je crois, j'avais presque 10 000 vues. Je me suis dit, wow.
Ok, c'est comme ça que j'ai commencé à donner du sérieux à TikTok. Mais mon but principal, ça a été d'apporter de la valeur aux personnes qui m'écoutent. Donc, ça doit être votre. Bonjour, André. C'est maintenant que ton goyou là, ça vient à quelle heure? Donc, ton but principal sur ta page, ça doit être d'apporter de la valeur aux personnes qui vont tomber sur ta page. Parce que je vais vous dire, c'est bizarre, hein? Ceux qui n'ont pas l'argent ne seront pas intéressés par ce qui va les aider. C'est fou. Il va te dire, oh, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'argent. Tu vas lui dire, ok, viens apprendre à gagner de l'argent. Il ne va pas vouloir. Mais c'est celui qui a l'argent qui sera intéressé par ton programme de comment augmenter son revenu. Vous comprenez, c'est un peu tricky. C'est amusant quand même, non? N'est-ce pas? It's quite tricky, but that's just reality. When I do, c'est pour ça que je fais très rarement des programmes gratuits. Parce que quand je mets gratuitement là, ceux qui vont venir, les toc-toc qui vont venir, ils vont s'attendre à tout recevoir sans rien donner. Je leur dis toujours, ça fonctionne pas comme ça. Alors que ceux qui vont venir et qui vont donner de la valeur, qui vont tirer de la valeur de ce que j'enseigne, ce seront ceux qui auront payé. Et pour payer, il faut que tu aies de l'argent. Donc, quand vous commencez à faire des vidéos éducatives, vous allez voir que votre public, ce ne sera pas des personnes qui sont juste attirées par montre-moi tes seins, telle personne est allée coucher avec telle personne. Vous voyez les gossips, non, les trucs qui n'ont pas de sens, qui ne vont pas t'intéresser en fait, qui ne vont pas t'aider. Bonjour Louis, mon WhatsApp est sur la page. Je veux vraiment que vous évitez de demander mon numéro dans les commentaires parce qu'il y a des scammers sur ma page. Quand vous allez écrire comme ça, ils vont venir vous donner le numéro. Je ne vous donnerai pas personnellement mon numéro comme ça. Donc, si vous voulez un numéro, c'est sur la page. Allez vous copier et vous écrivez. Donc, je rappelle qu'il y a des scammers qui passent leur temps avec ma photo. Ils créent des profils Facebook privés et ils vous invitent. Ce n'est pas moi. Je ne vous inviterai jamais. OK. D'accord. Il faut aussi fuir la facilité. Parce que vous allez venir ici là demander mon numéro. Je vais y aller chercher sur la page. Vous allez fuir. Vous allez apparaître. Je n'ai pas le temps d'aller prendre son numéro. C'est trop long. C'est trop fatigant. Quand quelqu'un est déjà fatigué comme ça, là, il n'a même pas le temps d'aller prendre mon numéro. Quand il va venir, je vais lui dire paye pour ma consultation. Il va refuser. Et c'est comme ça aussi que tu vas disséquer. Tu vas. You know, you're going to die for, you're going to sift. Tu vas sélectionner. Tu vas séparer. Des vrais clients qui vont pouvoir payer des produits chez toi et les blagueurs. Parce qu'un blagueur, quand il vient sur ta page, il veut blaguer en fait. Comme shipper qui est là pour shipper. Le blagueur veut blaguer. Donc quand tu vas commencer à faire tes choses, tu seras sérieuse. Tu vas attirer les gens qui sont sérieux. Does it make sense? Does it make sense? Et n'aime pas qu'on force mon bonjour. Parfois, tu viens, je suis en train de dire quelque chose de très important. Tu viens, tu postes ton bonjour. Tu veux que je laisse ce que je suis en train de dire. Je viens te dire bonjour. C'est comme quand je fais mes conférences. Les gens qui arrivent en retard, je dis, je suis vraiment, ça m'énerve. Je dis, arrivé à telle heure, tu ne viens pas à l'heure. Tu entres, tu déranges tout le monde. Tu fais du bruit. Je dois m'arrêter de parler pour te voir. J'aime pas ça. Pour moi, c'est un peu disrespectful. C'est un peu comme si je manquais de respect au public. Voilà, donc tu postes ton bonjour. Si après je lis les bonjours, je te dis bonjour, c'est bien. Mais de là à vouloir que tu me trouves, ça fait peut-être une heure que je fais le direct. Il faut que je m'arrête pour parler, depuis que je dis bonjour. Soyez quand même un peu, considérez un peu tout ça quand vous venez vous, vous plaindre. Voilà. Donc je disais, quand vous faites votre contenu, si vous apportez du contenu qui est enrichissant, vous n'allez pas attirer les gens qui sont pauvres. Je ne dis même pas pauvres parce que. Par excellence, tout le monde a l'argent. Tout le monde a l'argent. Et c'est juste que chacun décide de dépenser son argent différemment. J'ai une petite nièce souvent. C'est une de mes cousines même. Je dis ma nièce comment? C'est une de mes cousines. Quand tu la vois, elle va tout te dire, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Tu vois les habits qu'elle met sur elle. Tu n'as pas l'argent, non? Pourquoi toi, tu as les habits? Je dois prendre mon argent, je dois te donner. Moi, je n'ai pas les habits sur moi, les habits luxueux, les habits neufs.
C'est ça qu'on peut dire. En fait, tu as l'argent. Mais ton argent, tu peux faire le dépenser pour t'habiller. Ou un peu. Et moi, mon argent, je ne veux pas le dépenser comme ça. Mon argent, c'est pour payer. Peut-être si j'ai besoin d'acheter un programme. Si je veux avoir accès à une plateforme, je paye. Si je veux payer un programme de coaching, je paye. Si je veux, j'ai besoin des accessoires pour travailler ou des outils. Vous avez, on avait des appareils, des trépieds, des lumières. Parfois, la logistique pour te rendre d'un endroit à l'autre. Non, l'autre va avoir son argent. Il va dire qu'il y a la nouvelle Air Max qui est sortie. Il faut qu'il achète ça. C'est pour ça aussi que même sur vos enfants, vous devez... parfois, quand vous faites, vous répartissez l'argent du mois. Faites asseoir vos enfants. Parce que vos enfants voient sur quoi vous dépensez votre argent. Est-ce que dès que maman a l'argent, elle peut acheter un sac à main pour impressionner ses copines? Est-ce que quand papa a l'argent, il court pour aller, je sais pas moi. Vos enfants observent tout ça. Ou bien maman, quand elle a l'argent, elle achète une machine pour augmenter dans le restaurant. Comme ça, au lieu de passer 2 heures de temps pour faire la farine, maintenant elle fait la farine en 15 minutes. La machine te fait ça en 15 minutes. Est-ce que son argent, c'est pour améliorer son business? Donc, c'est pareil pour quand tu commences à travailler sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu dois aussi à un moment acheter du matériel. Si à chaque fois que tu fais tes TikTok, on voit que tu déposes toujours le téléphone quelque part sur une petite fenêtre. Souvent, tu parles, le téléphone tombe. On va comprendre que, ou bien tu... Il y a un moment, tu peux acheter un micro. Quand tu parles, tu as le micro sur toi. J'ai arrêté avec les micros parce que... généralement, je fais les directs, je suis très proche de mon téléphone. Et avant, j'avais des micros. Je restais parfois à 500 mètres de truc que je parlais. Non, pas 500 mètres. On va dire 50 mètres. Pourquoi je m'éloignais un peu. Maintenant, là, je me casse plus pour ça. Donc, tu oses la lumière. Quand tu fais des vidéos, on voit c'est sombre. Donc, tu peux investir sur ton ring light. Et vous savez, le business est spirituel. Quand tu commences à investir ton temps et ton argent sur ta page, ça va commencer à te donner. It's going to pour back into you. When you invest your money and your time, you know, whatever you put in would come out. C'est comme si j'ai une bouteille d'eau, j'ai une bouteille, ok? Si je mets de l'huile dans la bouteille, et j'ouvre la bouteille, je verse. Qu'est-ce qui va sortir? C'est de l'huile. Si je mets de l'eau dedans, j'ouvre la bouteille, je verse. Qu'est-ce qui va sortir? C'est de l'eau. Donc c'est ce que tu mets dedans qui va aussi sortir pour revenir vers toi. Parce qu'il y a parfois des personnes qui croient qu'elles sont trop intelligentes. Doesn't work that way. Doesn't work like that. Ok? Et en passant, si vous avez aussi beaucoup investi, si vous avez dépensé beaucoup d'argent sur des coaching, réseaux sociaux, je ne sais pas quelle formation, poussez encore, persévérez. Parce que tout, j'ai compris aussi que tout argent que tu investis dans ces choses-là, ça va revenir vers toi. Si tu n'abandonnes pas. Si tu n'abandonnes pas. Parce que le karma, l'univers est tellement juste. Quelqu'un que tu peux... quand tu regardes, tu vois quelqu'un qui a passé du temps à faire ses recherches avant de venir te faire un direct. Tu peux sentir. Quand tu vois quelqu'un qui ne connaît rien, donc quand il parle là, tu vois que ce qu'il parle là, c'est rien, c'est vide. Tu peux aussi sentir. Donc le temps que tu mets pour apprendre, what you put in will come out. Parfois, ça demande beaucoup de temps pour mettre d'abord à l'intérieur, pour apprendre. Je peux vous dire que j'ai passé au moins 2 ans. Il y a des moments où je peux rester comme ça. Tu me prends à l'improviste, je t'improvise une formation de 4 heures de temps. Sur n'importe quel sujet, si c'est mon domaine là. Réseaux sociaux, je te coach dessus, la main levée. Main levée là. Parce que j'ai passé du temps dessus, j'ai fouillé, j'ai appris, j'ai lu, j'ai tellement. J'ai appris, j'ai mis en pratique. J'ai développé. Donc, soyez aussi dans ce sens-là des personnes studieuses. Et soyez consistants.
Ne commence pas, tu laisses. Ça fait 6 mois, tu n'es pas passé sur ta page. Un bon matin, tu te relèves encore. Tu vas te relever, tu vas venir. Et qui est sûr que les abonnés que tu avais il y a cela 6 mois là, ils ne seront plus à la page de ce que tu fais. Donc tu vas encore devoir reconstruire ton audience. Bon, j'ai terminé. Hein. Je ne vais pas trop bavarder aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, vous prenez ma formation TikTok. J'ai une formation sur TikTok là. Où je parle encore un peu plus, je vous montre plus de stratégies. Etc. Ok. Formation spirituelle. On la commence demain soir. Donc j'ai des personnes qui sont intéressées, qui ont déjà payé. C'est 100 euros. On aura 6 semaines de cours. Donc si vous savez, il y a aussi des objets spirituels que vous allez acheter. J'ai eu beaucoup de vies transformées, beaucoup de témoignages. Les gens ont eu leur titre de séjour pendant qu'on faisait la formation. Les gens ont eu découvert leurs dons. Certains ont été débarrassés de tellement de mauvais trucs. Les mariages ont été restaurés, les lourdeurs de corps, les bains. Les gens ont appris à utiliser leur propre, leur don eux-mêmes, à écouter l'esprit, interpréter leur propre message. Parce que c'est ça qui vous bloque souvent. Ouais. Donc la formation, la deuxième vague, je vais commencer avec vous demain. Ça devait être hier samedi, mais je préfère faire ça demain. Donc on va commencer demain. Quand je vais commencer, je donnerai 7 jours pour prendre encore des gens. Après, je vais couper. Comme ça, les prochaines séances, ce seront en décembre. Donc là, on est en octobre, c'est 100 euros. Et on fait ça sur Zoom à distance. Vous ne venez pas chez moi, je ne viens pas chez vous. C'est sur Zoom à distance. Et si tu as raté, tu peux écouter après. Voilà, donc c'est tout. C'est conçu pour les gens qui sont vraiment... Tu veux vraiment passer une autre étape de ta spiritualité, ok? Peu importe le pays où tu es. Ghislaine, il faut prendre une consultation. Tu vas voir ce que tu pourras faire pour ta boutique. Les Africains, vous n'êtes pas habitués à payer le conseil. Vous remarquez que vous n'êtes pas habitués à payer le conseil. Il y a même des choses, souvent des investissements que parfois tu veux faire. Tu ne peux pas voir l'avocat, tu fais seulement. 6 mois plus tard, tu te rends compte qu'on t'avait mal conseillé. Tu perds tes 15 millions alors que tu aurais pu aller donner 200 000 à l'avocat. L'avocat te montre que ne fais pas l'autre aussi, fais comme ça. Donc apprenez à payer le conseil. Le conseil se paye. Oyoha. Passez une très bonne journée. Bonjour à mes haters. J'espère que vous avez bien dormi. J'ai besoin que vous soyez en vie, vous qui me détestez. Vivez longtemps, je vous en prie. Ok? You need to be alive to see me prosper. Ok? J'ai compris, je ne peux pas faire sans vous. Et il y a un voisin là qui est en train d'animer le coin. Si tu dis que tu m'as vu, tu étais stupéfait. L'autre jour, une fille est venue à Yaoundé, elle est venue toucher ma paume de main. Parce que dans le groupe WhatsApp, ils ont dit que ma paume de main est douce. J'ai dit que vraiment, vous êtes fou. Vous avez... Mais j'ai envie de danser. Ah, un, oh, et, oh. L'argent arrive. Quand tu reçois, tu as des sautes de bonne humeur comme ça là. Il y a un argent là qui a très très viré dans ton compte. It's coming, it's coming, it's coming, it's coming. It's here, it's here, it's here, it's here. Laissez-moi comme ça là. Je ne suis pas folle. Hein? Money. I love money. I love money. Bon, passez un bon dimanche. Demain, on se prend à 6h. Si les ancêtres le veulent, bien sûr. Par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'on dit que c'est l'homme qui propose ses plans. Et puis c'est Dieu qui va venir établir tes pieds là. C'est lui qui va décider comment ça va se faire. Bon, vous passez une bonne journée. Darling, tu m'as écrit sur WhatsApp. Écris encore, ma chérie. Tu as compris? Écris encore, pardon. La prochaine offrande à l'eau, on va la faire mercredi. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer les sous. C'est normalement 100 000 francs. Je vais augmenter moi mes prix à 100 000 francs.
Souvent, j'oublie que j'ai les dimples. Non, je dois aller manger. Tu sais quelle heure il est? Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Il est déjà 9h. I need to eat. C'est vrai que tu es arrivé en retard. C'est pour ça que tu veux qu'il reste encore 30 minutes. Je suis là depuis une heure de temps. Pour les dîmes, vous les envoyez au numéro qui sont sur la page. Il y a PayPal, aurelie-michel2017@gmail.com. Il y a Orange Money, 693-50-22-66. Et il y a MTN Money, 680-71-07-01. Et les deux noms, c'est Jocelyne. Ou bien vous écrivez sur la page, sur le WhatsApp, on va vous donner les infos pour faire le paiement. En tout cas, si quelqu'un parmi vous veut payer un agent dans ma poche, il va trouver comment. Il y a tous les numéros sur la page ici là. Ok. Je bénis vos dîmes encore, je bénis vos dîmes, je bénis votre obéissance. Et surtout que les enseignements que je vais donner ce matin, que ça vous permette de vous lancer. N'ayez pas peur, on apprend dans le temps. On apprend dans le temps. Moi, c'est ma devise là-bas, j'attends pas le moment opportun. Je me lance, j'apprends. I just, you know, I just learn as I go. I just learn as I go.